une petite vidéo qu'on m'a demandé. Enfin, on m'a demandé une vidéo. Je ne savais pas trop de quoi parler. Puis j'ai eu une idée aujourd'hui. Je vais vous parler des produits que j'utilise en ce moment, des produits favoris. Oui, faute de produits finis, on va dire. Alors, on va commencer tout de suite. Un que j'ai adoré, que j'avais acheté en promotion à l'Occitane. Il n'y a plus prix. C'est le gel douche relaxant, je crois, de mémoire. Alors, ils le font encore, mais il paraît qu'ils ont changé la composition. L'odeur n'est plus la même. Il y en a qui se sont plaints que l'odeur était différente. J'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Donc, c'est trois huiles relaxantes. C'est ça, parce que moi, j'essaye de lire en même temps derrière le prix. Alors, je l'ai payé moitié prix et j'avoue que c'est un délice chaque fois que j'utilise pour le bain. Parce que moi, j'utilise des bains. Hein. J'adore, il y en a qui préfèrent les douches. Moi, je suis quelqu'un qui adore la baignoire. Et l'odeur est absolument divine et relaxante. À chaque fois que je prends un bain avec ce produit-là, je sors, je suis complètement décontractée. Donc, à racheter, oui, mais sûrement en promotion parce qu'ils ne sont pas donnés les produits de l'Occitane. Ils le font encore, sauf que ça, c'est l'ancien modèle qui était en promotion, ils ont changé la composition. Voilà. Et je l'avais payé, je ne sais plus combien, mais c'était moitié prix. Vous regarderez sur le site. Hein. Et dedans, il y avait quoi? De mémoire. Si je trouve en français. De la lavande, du tea tree et du géranium. Ouais, et c'est divin. Ça, je vous dis, pour se relaxer, top. Après, un produit que j'ai depuis des lustres, c'est le bain moussant à la figue. Leader Price, il est pas mal, il fait un peu mauve, mais ça c'est pas bien grave, hein, ça part. Il fait pas mal de mousse, par contre, faut pas en mettre beaucoup. Et il y a longtemps que je l'ai, alors il doit y avoir d'autres parfums. J'utiliserai sûrement, je verrai, avant j'étais très au bas haut, et celui-là il est pas mal du tout. De toute façon, la figue, hein, oh, c'est bien. Enfin, la figue chimique hein, quand même, un peu le sucré, hein. Le fruit, ouais. Et j'ai pas regardé, il doit y avoir d'autres parfums, mais je l'ai beaucoup aimé. En plus, en 500 ml, ça tient longtemps. Je crois que je suis encore à ça. Voilà. Parce que j'en ai déjà parlé. Comme j'utilise toujours les mêmes produits, moi, c'est possible que vous retrouverez des produits dans d'autres vidéos. Je suis désolée. Voilà. À racheter, ouais. Peut-être dans d'autres parfums pour comparer. Un autre produit que j'ai produit, enfin, ça, c'est des 7 pinceaux qui m'ont coûté les yeux de la tête, mais ils sont souvent hors stock, c'est le petit 7 pinceaux, les petits bisounours, les Birs. J'ai failli dire les bisounours. Le 7 bisounours qu'on trouve chez Sephora, qui a des petits cœurs, qui est souvent en rupture de stock. Je les adore, ils sont super doux. Alors je les ai rangés. Voilà, ça j'utilise moins parce que c'est pour le blush, c'est un petit peu gros, c'est plus pour la poudre. Voilà, ils sont roses, en bois, hein. Et c'est en poils synthétiques. Mais très doux. Vous voyez ça, la différence, il y a le petit liner. Comme le liner, voilà, avec les petits ours qu'on trouvait. Il vaut une fois centaine d'euros quand même, hein, le kit. Là, le petit pinceau, ah, le shadow, ils sont de très très bonne qualité, ils sont très doux, c'est ça que j'apprécie. Le contour, voilà. Qui est bon pour faire le creux comme ça. Oui, je me suis mis à l'abri du soleil. Il est rentré le soleil, bien. Et ça, l'estompeur, je suis en estompeur, une petite boule. Le blender. Il y en a qui se connaissent mieux. Moi, je fais des maquillages assez naturels, comme vous remarquerez. Voilà. Et j'adore ce kit. Donc, pour le moment, je le garde précieusement. Un petit peu, vous voyez, comme ça. Ah, vous trouverez sur Sephora, si vous le trouvez en promotion. C'est l'occasion ou jamais. Un autre produit que j'aime bien, que j'ai eu... qu'est-ce que j'achète pas quand je fais des soins de beauté. J'ai pris un soin pour contour des yeux d'Ecléor. J'ai payé 36 euros, hein, il y a encore le prix. C'était à l'Institut, vous pouvez le trouver moins cher. La particularité, c'est que ce soin est jaune, bah, pour camoufler les cernes violettes, comme ça. C'est un gommeur yeux dans un an, rides et cernes. Correcteur rides et éclair, voilà. C'est en même temps un correcteur, j'utilise plutôt le soir, parce qu'il rit assez. Voilà, c'est tout petit, hein, vous allez voir, une grosse boîte pour un petit truc de rien du tout. Voilà, c'est comme ça, ça se présente comme ça. Ouais. Alors ça se présente bizarrement, je vous dis, c'est un embout comme ça, biseauté, j'aurais envie de dire, ça, ouais. Et quand vous sortez le produit, la particularité c'est qu'il est jaune. Voilà, et ça donne un effet
bonne mine sur les cernes, mais vous trouverez des hydratants aussi efficaces, si ce n'est mieux, dans des prix moins chers. Ça, je l'ai pris, il est pas mal, il me fait pas mal aux yeux. Mais pour 36 euros, voilà quoi. Oui, je vous mets aussi quelques. Je vais vous mettre quelques Dove aussi que j'ai pas aimé. C'est cher pour ce que c'est. L'avantage, je vais essayer de le faire correctement, c'est qu'il est un petit peu jaune et grisé, ça donne un petit peu. Bonne mine, on va dire, ça enlève un petit peu les cernes. Mais bon, ça fait pas, ça remplace pas le maquillage. Voilà. À finir, parce qu'il n'y a pas très longtemps que je l'ai. Donc, je vous dirai vraiment quand je l'aurai terminé. C'est ce que je vous dis, ce que j'utilise en ce moment. Comme l'autre, j'ai terminé celui-là à la rose, que j'aimais bien. Un que j'utilise pas mal en ce moment aussi, comme j'ai la peau très sèche à cause du froid. Le sérum lumière. Je mets de ça le matin, de Soussan, j'avais déjà parlé. Alors dedans, il y a quoi, je vous l'avais dit. Non, testé sur les animaux, non, sans parabènes, sans dérivés chimiques, sans parfum synthétique. Voilà, voilà, voilà. Alors, voilà, densité d'éclair, bonne mine, homogénéité. Alors, je cherche la compo. L'huile de sésame, de l'huile essentielle de camomille sauvage, de l'huile essentielle de néroli, de l'huile essentielle de bois de rose, de l'huile essentielle de petit grain, de la vitamine E et l'huile de carotte. Et ça, je me le mets sur la peau. Voilà, il descend, j'en mets pas beaucoup. Je l'aime beaucoup. Ça me donne autant la nuit que le jour quand il fait un froid comme en ce moment. Ça m'adoucit la peau. J'avais presque la peau qui craquelait à un moment donné, qui, vous voyez, qui, comme si elle était desséchée, quoi. C'était, j'avais ça après 10 ans dans la tronche. Un produit que j'aime bien aussi, que j'avais acheté aussi, c'est l'après-shampoing hydratant. Il a un nom particulier, je vais vous le dire ça, que je vois à l'envers dans ma caméra. C'est le Miracle Moist. Alors, c'est l'après-shampoing pour cheveux secs, abîmés, malheureux. Voilà, mais avec, une fois que quand j'ai utilisé cet après-shampoing, j'ai les cheveux tout doux, tout hydratés. C'est un délice. En plus, ils sont super bons. C'est à l'huile de noix de macadamia d'Australie. Ah la vache, je crois que j'ai les quelles couleurs. Ah ouais, la vache, ça sent. J'aurais envie de dire. Ça me sent presque une malabar. Ils sont super bons. Il fait des cheveux, si vous avez des cheveux qui sont un peu abîmés à cause du froid, ils ne sont pas donnés, hein, ces produits. Hein, si vous les trouvez, moi, je les trouve à Monoprix. Celui-là, je vous jure qu'il fait des cheveux, mais il glisse comme quand on se lave les cheveux, vous savez, avec de l'eau sans calcaire. Il aide et hydrate les cheveux, et là, j'avoue qu'il hydrate bien les cheveux. Ça, c'est. J'ai pas tout essayé encore, parce que j'en ai un paquet pour me laver. Vous entendez un bip, c'est un extincteur de fumée qui bip. Je sais pas pourquoi, je l'ai mis dehors, mais on l'entend quand même. Voilà, pour la petite histoire. Très très bon produit, enfin, il respecte ses promesses. Alors, qu'est-ce que. Une daube, tiens. Tiens, je suis à dire pareil. Le Phytogloss, j'ai acheté ça pendant les vacances, voilà. En croyant que ça faisait une teinture des cheveux. Phytogloss, je l'ai payé 9,5€ de trop, on va dire. Oui, de 18. Alors, il y a les gants, voilà. Le produit pour vous colorer les cheveux, moi j'ai pris en noisette. Mais le gros inconvénient, c'est qu'il dégorge tout de suite, quoi. J'ai beau le poser 20 minutes, 30 minutes ou 5 minutes. Ça dégorge au bout d'un shampoing, quoi. Au bout d'un shampoing, vous faites le shampoing, vous avez l'eau qui est marron, quoi. Vous l'avez en version brune, en version blanche. Alors, je me suis dit, je vais acheter ça en attendant, ça va me remplacer le coiffeur. Que dalle, parce que moi, je ne fais pas des colorations, je vais chez Top Model. Excusez-moi pour la pub, c'est pas la pub. Ils font ce qu'on appelle des top flash. Ça veut dire que ça décolore pas les cheveux. C'est pas des mèches, mais ça fait une teinte en dessous du cheveu naturel. Voilà, ce qui fait ça, le couleur que vous voyez là, c'est pas ma couleur naturelle. Je suis châtain clair, aux racines, et je fais des flashs. Et c'est plus cher, certes, mais au moins, ça dure, puisque c'est une sorte de demi-teinte, on va dire, pour les cheveux. Et je pensais utiliser ça pour mes repousses, mais que dalle. Là, j'utilise en croyant que ça allait m'éclaircir les racines. Ça part au bout du... Une fois, vous voyez, tout ce qui me reste, bon, si j'ai le courage, j'essaierai de le finir, mais c'est pas gagné du tout, parce que quand il y a un produit qui me plaît pas, généralement, il part à la poubelle. Oui, je sais, c'est pas économique, mais je suis pas économe non plus. Voilà, j'ai pas... Il est en promo, mais je sais pourquoi. Hein.
Ça vaut quand même 18 euros cette chose. 18,10 €, ça va aller à la base. Je l'ai payé 9 euros. Voilà, voilà. Un autre petit produit que j'aime bien, que j'ai eu en cadeau lors d'un achat, là, après un soin de beauté. C'est le démaquillant biphasé de Décléor, qui est très agréable quand vous avez les yeux très maquillés. Biphasé, bien sûr, le bleu là, et puis l'huile là. Hein. On connaissait toutes. Hein, pour les... Oh, il passe bien en caméra. Alors... C'est à l'huile de camélia, il est, voilà. Et pour les maquillages waterproof, il est très efficace et très doux pour les yeux. Et puis, il ne laisse pas un voile gras comme j'ai eu certains. Et c'est un peu quand même hydraté, je veux dire, ça reste un petit peu luisant, mais ce n'est pas désagréable, voilà. Et évitez de frotter aussi, de laisser poser et puis d'attendre que ça se dissout. C'est mieux que de tirer sur la peau. Et combien au porteur de lentilles, voilà, pour ceux qui sont intéressés. Lui en cadeau, bon, bien sûr, c'est du Décléor, donc il ne doit pas être donné, mais il est très bien. Et quand je suis beaucoup maquillée pour les yeux, il est beaucoup plus efficace que mes os normales, mes os naturelles. Voilà. Petit produit que j'aime bien, que je lui en cadeau, que je suis bien contente d'avoir eu cadeau. Alors, en fard à joues, j'en ai plusieurs, mais mon chouchou, ça reste quand même le fard à joues poudré de Téléclair. Voilà, que j'ai eu dans la Doty Box, je crois. Quelle teinte pêche veloutée. Voilà, je ne sais pas, c'est parce que j'ai la peau très blanche, mais sur tous les fards à joues que j'ai, c'est celui-là qui me va le mieux et qui me fait un effet bonne mine naturel, sans faire de démarcation. Même les Too Fast que je vais vous sortir là, ça me fait démarcation. Attends, j'essaie de l'ouvrir. Voilà. Et ça, c'est une couleur qui me fait mais vraiment un teint de bébé, quoi. Voilà, je pense que c'est plus une teinte hivernale pour les peaux claires. Voilà, mais en tout cas, très très bon fard à joues. Dès que je l'utilise, que je le mets comme ça, ça me donne bonne mine. Ouais, je ne sais pas si la lumière est bonne. Je me suis cachée du soleil, du coup. Oui, voilà. Très très... Je l'ai eu en la Doty Box et je ne m'en séparerai pas. En plus, le design est très mignon pour ceux qui sont fans de design rétro. Toujours le petit copain qui va avec, j'ai déjà présenté X fois. C'est la poudre dermophile de Téléclair en 4 teintes pour les peaux claires. Il y a un lilas, il y a un sable, un abricot, un pêche. Voilà, c'est les poudres qui vendent à l'unité, sauf que vous l'avez dans un boîtier en 4. Voilà, vous utilisez comme ça et je m'en sers souvent pour me poudrer la peau. Voilà, et ça fait comme ça. Et vous récupérez les 4 de lilas. L'abricot, le sable et un rosé. Voilà, il y a des lustres que je l'ai, mais ça ne descend pas vite. Hein. Le petit pompon aussi que je me sers comme ça. Il est avec un petit miroir, bien sûr, qui n'est pas très propre. Voilà, il est très bien, je l'aime beaucoup. Surtout en hiver, je ne sais pas pourquoi, l'été, j'ai tendance à plus briller. L'hiver, je brille beaucoup moins, je transpire moins. Alors, une petite découverte aussi que j'ai eu dans Too Fast, c'est le mascara Better Than Sex. Alors, c'est pas forcément better, meilleur que le sexe, mais je l'aime beaucoup ce mascara. Je l'ai eu en 2 fois avec la Carousel et avec la Everything Nice. Je l'aime beaucoup. Je pense, bon là pour le moment j'en ai 2 comme ça, mais je pense le racheter ultérieurement. Je crois qu'il vaut 20 €. Et pour ce que j'ai utilisé ce matin, excusez-moi. Je voulais me cacher du soleil et total, je crois pas que j'ai gagné en... Ouais, non, je vais rester comme ça parce que si je bouge tout, ça va le faire. Voilà, je l'aime beaucoup, il recourbe les cils, il fait pas de paquets. Bon, ça remplace pas les faux cils, hein, mais il est vraiment bien. Il est pas trop épais comme il brochait, il est assez liquide sans être trop liquide, j'aime bien la texture. Alors un fond de teint que j'ai ressorti, que j'avais déjà présenté. Parce qu'il faut cacher la misère. Maintenant, j'ai utilisé le bourgeois, mais il ne couvrait pas assez. Donc, j'ai ressorti ma Precious Mineral Bébé Crème Bright Fit. Protection 30. Bon, ça, c'est la protection cette saison. Et je l'aime beaucoup. Il me fait une peau beaucoup plus veloutée et me camoufle beaucoup plus les imperfections. Et je l'ai pris celui-là en teinte. Bien sûr, à chaque fois que je cherche... W13. Vous devez le voir, voilà. C'est un format quand même 60 grammes. Hein.
Donc il tient longtemps, je l'avais déjà l'année dernière, je ne l'ai pas fini et je l'ai ressorti pour le... quand j'ai attrapé un froid sur la tronche où j'étais écarlate, les yeux déshydratés, enfin une horreur. Et il me fait une bonne mine dont on a besoin au mois de décembre. Là, vous voyez, j'ai bonne mine, mais je suis vachement maquillée, quoi. Pour moi, hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Étude à housse que j'ai trouvée sur eBay ou que vous trouverez sur des vendeurs de produits coréens. Que c'est des produits coréens, mais je l'adore, cette petite... Ils sont très doués pour les bébés crèmes, les coréens. Enfin, moi, au niveau de tolérance... impeccable. Pourtant, j'ai une peau, je vous dis, qui réactive au tout, au chaud, au froid, aux émotions, à la gêne, au parfum, à tout, à l'alcool, à tout. J'ai une peau, c'est une horreur. Voilà. Je suis obligée de me maquiller, sinon on voit tous les réseaux veineux. C'est délicieux. Le produit que j'avais déjà présenté, que je m'en sers quand j'ai des mal au cou, c'est le Tiger Balm. Là, c'est la version blanche, donc effet coup de froid. La version rouge, c'est effet coup de chaud. Quand vous avez des courbatures au cou, que vous avez mal quelque part, mal au dos, ça sent... Ah, les plantes, ça sent le frais, la menthole. Bon, il y a tout un tas de plantes à besoin pour faire la composition exacte. Ah, confort, la menthole, l'eucalyptus, l'huile d'eucalyptus et de l'huile de clove. Voilà. Avec mon anglais pourri, merci. Et pour les piqûres d'insectes, enfin, c'est un effet frais. C'est très agréable quand vous avez mal quelque part. Pour les douleurs musculaires, les peines, l'inflammation due aux piqûres d'insectes. Je l'ai trouvé sur Amazon, vous pouvez le trouver ailleurs. Ils font aussi d'autres produits dérivés, ça c'est les classiques, le baume. Je m'en sers beaucoup, je suis très très madame. Ils sont délicieusement bons. Alors, une petite lingette que j'ai beaucoup aimée, moi, reste paquet, que je te remercie, Nathalie Brunet, je ne me suis pas portée. À l'occasion, tu me diras où tu les as achetées. Elle m'a acheté des Purex, pour le village. Alors, j'ai déjà fini un paquet de classiques. Oups, ce matin, je me suis servi de l'exfoliant. Et elles sont tip-top. Enfin, elles sont très agréables quand on ne veut pas s'embêter avec un coton. Voilà, et ça, c'est le... C'est pour... Qu'est-ce que c'est ça ? C'est le nettoyage anti-pore... anti-point noir, voilà. Je l'ai en bleu et il y a l'autre que j'ai fini, qui était le nettoyant 3 en 1. Je les adore, ces petites lingettes, elles sont pratiques, elles sont humides à souhait, enrichies à l'aloe vera. Voilà, j'ai pas eu d'allergie, il m'en reste 2. Ouais. Et j'ai entamé l'exfoliant ce matin. Je ne fais pas trop de soins en ce moment avec la peau irritée. Et je ne connaissais pas du tout cette marque. Très, très bien. Du coup, je sais pas où du tout tu les as trouvés. Hop là. Alors, ma palette du moment, vous en doutez, hein, c'est Everything Nice. Voilà, je m'amuse en ce moment, j'ai pas fait le tour et loin de là. Yopo, on va ouvrir le paquet cadeau. Alors, j'aime bien parce que j'ai fait un coup comme m'avait aimé avec ces couleurs là. Et ce matin, j'ai plutôt utilisé des couleurs naturelles. Donc, je crois que c'était ça, 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 ça et ça. Non. Et le vert duochrome, je crois que c'est celui-là, c'est le girly. Ouais. Et on peut faire autant dans les couleurs très flashy, non, des couleurs très nudes. Très nude. Ouais. Voilà. Et j'ai utilisé, ouais, c'est celui-là, celui-là. Que je dise pas de bêtises. Celui-là. Et le duochrome marron vert qui est magnifique. Vous pouvez, alors après, en coin interne, j'ai dû utiliser, que je ne vous dise pas de bêtises, Iben. Ça, c'est tous les coins internes, vous pouvez s'amuser sous les arcades sourcilières, il y a de quoi faire. Après, vous avez des mats qui sont là, que je ne dise pas de bêtises. Là, ces deux-là, c'est des mats. Celui-là, il est un peu irisé. Celui-là, il est mat. Celui-là, il est mat. 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 Celui-là. Et tous les autres, c'est pailleté. Vous pouvez après commencer par un mat et puis après faire un dégradé avec celui que vous voulez. Donc, ça va du plus clair au plus foncé. Voilà, par la dernière ligne là. Vous pouvez superposer. Ça donne un effet un peu lilas sur les yeux qui est très sympa. Qui est plus festif, plus pour le soir.
Alors, après, le pinceau que j'aime beaucoup, bah, les pinceaux sont sympas. Celui-là, il est pratique pour faire le contouring. Celui-là, je commence à l'utiliser. Le chocolat de soleil. Il n'est pas trop marqué. Donc, on peut facilement l'utiliser dans les creux. Après, vous pouvez faire tout le front, comme font les professionnels. J'aime bien aussi le Inner Light, l'illuminateur. Celui-là aussi sur le haut des pommettes, là. Si vous mettez là. Là. Et les blushs sont un petit peu trop marqués pour moi pour la saison. Celui-là et celui-là, ça fait pas très joli sur ma peau. Voilà, mais c'est parce que je pense que je suis trop blanche. Mais bon, j'aime beaucoup cette palette. Celui-là, en ce moment, s'il y en a qui n'osent pas l'utiliser... Oula, j'ai mis le doigt dedans. Voilà. S'il y en a qui n'osent pas l'utiliser, moi, je m'en sers beaucoup. J'aime beaucoup aussi ce petit violet. Ok, voilà. Everything. Nice. C'est tout fast. Hop. Après, un que j'aime bien en ce moment ressortir en pleine période hivernale, c'est le Touche Éclat. Yves Saint Laurent, le 2. Alors, autant il peut me faire mal aux yeux l'été, autant l'hiver, quand j'y vais avec parcimonie, ça veut dire petit pinceau, vous voyez, on connaît tous le Touche Éclat. Voilà, ça brille toujours, Yves Saint Laurent, c'est chiant pour ça. Vous pouvez partir par le creux, là, vous avez des veines, enfin, moi, j'ai des veines en dehors, et vous faites délicatement comme ça, vous faites un peu comme ça, un peu dans le coin interne, là où on a le sillon qui se marque, et dans le creux, où sont les petites rougeurs que vous avez, ou les boutons. En y allant doucement, ça, c'est très efficace, mais il ne faut pas en mettre beaucoup, sinon ça peut faire mal aux yeux. Enfin, moi, ça me fait mal aux yeux quand j'en mets trop, ou pas naturel. Donc, il est très efficace, mais à utiliser avec parcimonie et intelligence, on va dire. Vous pouvez mettre au-dessus de... la lèvre supérieure pour donner un peu de bombée. Là, j'ai mangé, donc il y en a moins de rouge à lèvres. Voilà. Petite touche éclat en période hivernale qu'on a toujours des cernes. Après, un rouge à lèvres que j'aime bien, qui est bien riche de guerlain. Moi, c'est le Champs-Élysées, toujours que je dis, c'est ma couleur préférée. J'en ai un autre qui est plus rosé. Celui-là, je l'aime bien, qu'il est bien crémeux pardon, pour la saison. J'adore ces rouges à lèvres-là, bien hydratant, bien crémeux, bien couvrant, ça fait une bouche très classe quand on est pâle, et il est très hydratant et très couvrant, ça je l'adore. Pour Kajin est sympa aussi. Le Champs-Élysées, vous le trouverez, c'est un qui s'est vendu le mieux, la couleur Champs-Élysées, c'est un de mes chouchous. Voilà, paix. Alors, comme pour les mains, j'avais l'Occitane, mais en acacia et puis en thé vert, c'est trop pas assez hydratant pour la saison, donc j'ai ressorti mon Royal Essence de Fiderma, voilà, au miel. Généralement, les crèmes pour les mains au miel sont assez hydratantes pour l'hiver. Voilà, je l'aime beaucoup cette crème. Je l'ai ressortie. Comment ça tient longtemps, à croire que je n'utilise pas assez mes produits. Crème réparation protection hiver, ça prend bien son nom. Je l'ai ressortie avec les grands froids et elle laisse pas de film gras, on laisse les mains toutes douces. Avec, bon, là, j'ai mis du rouge à lèvres. Voilà, quand on a les mains qui gonflent, de la marque Fiderma, qui était dans Madame la Box, Madame Aimée, je crois que je l'ai eu. Voilà, voilà, après ça c'est mon petit blush que j'utilise assez souvent, voire tous les jours, vous voyez, il est sale, il va falloir que je le nettoie avec Elf, ce que tu m'as offert Nathalie. C'est de la marque Elite, que j'ai trouvé en parapharmacie. Voilà, je l'aime beaucoup, ça fait un biseauté, ça permet, les poils sont doux aussi. Perd pas ses poils et ça permet de faire un perso biseauté comme ça. Voilà. Bon, pour les sourcils, c'est toujours la même. J'ai pas changé de couleur. C'est le soft blond après. Chacun voit comme il dit à sa porte. Moi, j'ai dit celui-là. Moi qui suis plutôt dans les tons, vous voyez, comme ça. Voilà. Et après, j'ai voulu trouver un remplaçant de mon Agnès B. Pardon. Agnès B. Cerise. Voilà. Que je continue à utiliser pour la bonne et simple raison que je n'ai pas trouvé mieux pour le moment. J'ai voulu acheter un Yves Rocher de couleur naturelle, dans à peu près dans la même teinte, mais il est trop sec. Je trouve qu'il ne me marque pas assez le contour des lèvres. Voilà, un peu chiante la fille. J'en ai deux en plus, j'avais un offert pour un d'acheter. Et c'est le numéro 2 mauve. Mais je ne l'aime pas et je trouve qu'il ne marque pas assez. Je vais faire la différence hier. D'accord, profite. Voilà. Là, c'est le Yves Rocher et le Agnès B, paix à son âme. Voilà. C'est subtil peut-être, vous voyez peut-être pas la différence, mais vous voyez celui-là, il est plus rosé et l'autre, il est plus clair. Et quand je utilise ce rouge à lèvres-là, celui-là me va mieux que celui-là. Celui-là, le rouge à lèvres, il est plus foncé
que ce contour des lèvres. Alors j'ai peut-être que je me suis plantée de couleur de contour des lèvres, mais celui-là me va mieux. Voilà. Ouais, je vous confirme. C'est discret, mais pour moi c'est énorme, dit la fille qui n'est jamais coiffée. Voilà, je vous fais un gros bisou, j'espère que ça n'a pas trop duré la vidéo. Allez, bisous, à bientôt, et puis passez de bonnes fêtes. Il y a du soleil, maintenant ça se couvre. Voilà, j'ai voulu tourner pour qu'on voit, et maintenant, il fait tout gris. Allez, passez de bonnes fêtes, à bientôt.